Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà une petite map qui est sortie, quoi, une bonne map qui est sortie aujourd'hui sur le mode hub qu'on attendait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est le coin perdu. C'est un très très bon mappeur et tout ça, quoi. J'ai bien aimé ces petites vidéos qui étaient dessus en présentation. Quand moi j'ai eu la chance de suivre l'évolution de la map un peu en off et puis tout ça, quelques clichés, hein, pas tout complètement. Donc voilà, donc elle est sortie aujourd'hui. Même moi, je savais pas qu'elle était sortie aujourd'hui. Donc voilà, les amis. Et je la découvre comme vous. Hein. J'ai juste vu quelques trucs, quelques morceaux de map assez intéressantes. Donc on va voir si ça passe en vidéo déjà en présentation de map. Et puis voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je remercie les 314 abonnés. Merci à vous pour ce petit passage avec moi, et merci aux abos, et merci encore au nombre de personnes qui me suivent le soir. Donc je suis en live tous les soirs quasiment, quoi, oui, tous les soirs quasiment en live. Donc voilà, nous sommes arrivés au coin perdu, le coin est perdu. Donc je vais vous montrer le corps de ferme. Donc là nous avons les poules. Donc j'aime bien, franchement j'aime bien. Les poules à mon avis sont en liberté, je pense. Hop. Nickel, elles sont en liberté. Ok, ok. On va regarder ce qu'on a à peu près là. Donc on commence avec la CH770. C'est cool ça. On commence à 15 semoirs. 5 semoirs, ouais. On commence avec le pulvé. On commence avec une charrue et un petit semoir. On a 2 semoirs. Attendez. Est-ce que je suis en train de me tromper? Ouais, semoir. Ah, c'est une planteuse, ok. C'est tout ce qui est pour tournesol, blé, tournesol, maïs, soja, radis et coton. Donc le semoir, c'est bien ce que j'avais vu, ouais. C'est un semoir qu'on avait vu. Hop. On commence avec une belle barre de coupe et une ramasseuse. Là, ça doit être un Fendt, je pense. Ouais. Ah non, c'est une Diodes. Ouais, on commence avec un bon petit Diodes. C'est cool, on commence avec du bon, bon matos. Là déjà pour cette partie là, et là normalement, attendez que je me trompe pas, voilà, parce que c'est ce que j'avais vu à peu près en photo. Là on commence avec l'usine à vache. Donc c'est le robot ou pas, parce qu'à un moment il parlait de pas le mettre, le robot. Donc non, c'est pas le robot. Ah oui, yes, il nous a laissé ça pour faire nos rotations de mélanger. Donc ça, je suis en kiffeur. Putain, il est excellent. Ouais. Ouais, je suis vraiment, vraiment super bien. Ouais, c'est vraiment bien. Non, c'est superbe, franchement, c'est superbe. Alors, on va aller regarder le PDA. On va aller voir le concessionnaire, les amis. On va pas trop en faire, je vous dis pas. Pourquoi je vous dis qu'on va pas trop en faire, parce que je voudrais faire quelque chose ce soir dessus. Comme j'avais fait un live sur TS aujourd'hui. Ah, là, il a pas mis assez d'herbe. Donc
là ça fonctionne, ok. Donc on va essayer de mettre un tracteur. On va faire juste en location. Bon, wow, que ça spot là-bas, ok. Est-ce qu'il y a des horaires d'ouverture? Non, ça c'est bien aussi. Donc ça fonctionne. Là, les stations service. On va voir ce qu'il y a. Si c'est fonctionnel. Ok, c'est fonctionnel. Donc on commence avec aucune usine apparemment. On commence avec nos poules parce que bah on a mis nos poules. Par contre, je ne sais pas, j'ai pas fait gaffe, je me souviens plus sur ce que j'avais vu à peu près. S'il y avait d'autres corps de ferme, donc ça sera à nous de découvrir, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Les filatures. Restaurant. Est-ce que c'est le même restaurant que j'ai en mode? Ouais, c'est le même mode en restaurant. Donc normalement, le restaurant, il doit se vendre plus cher. Alors. Sucre de canne. C'est quoi que je pourrais voir? Restaurant, voilà. Et encore, c'est peut-être pas le même restaurant que j'ai moi. Ok, donc après, il y a des trucs là, que je peux rajouter moi. Par contre, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Est-ce qu'il a mis l'usine à farine? Quoi, tout ce qui est pour fromage. Un restaurant, ok. Beurre, pain, gâteau. Ok, ça c'est bien aussi. Parce que j'ai pas besoin de mettre mon restaurant. Donc, la menuiserie, on doit la connaître, c'est la même que j'avais vue. Maison perdue. C'est un petit point de vente aussi. Magasin du fermier. Usine à l'huile, ça c'est tout ce qu'on a. Silo industrie. Usine à céréales. Chaufferie Bonosa, biomasse, pardon. Ah, il fonctionne pas celui-là. Station de chaud. Moulin à sucre, la canne de sucre, station service qui est fonctionnelle, ça c'est bien aussi. Il y a des petits icônes qui fonctionnent pas. Ah, d'accord, ça se trouve c'est des petits corps de ferme en plus, quoi, des petits trucs en plus. La boulangerie, je vais voir comment elle est. Ah, elle est stylée, j'aime bien, franchement je kiffe. Donc ça doit être derrière, je pense, le point de vente. Ouais, comme j'avais vu. Ok, c'est nickel. Ça ressemble à... Ça se trouve, c'est même celle-là. Ah, je sais pas si c'est celle-là encore. Non, c'est peut-être pas celle-là. Non, non, je croyais que c'était ça, la boulangerie de l'Aubéron, mais non. Il y a encore des trucs qu'on peut pas encore. Ah, il y a un deuxième concessionnaire. Ok. Un deuxième concessionnaire. Donc là, on peut faire une ETA, je pense. Ça peut être pas mal. Ça a l'air de fonctionner, je pense. Quoi, tout est fonctionnel.
Ok. Attendez, je suis en train de regarder aussi un, deux, trois trucs. On va essayer de voir. Voilà, c'est ça que je voulais voir, c'était le matériel qu'on avait. Pour savoir si. Donc on a le Dots et le. Vous voyez, je suis pas trop fan de ça comme tracteur. Bon, après, voilà, il en faut pour tout le monde, hein, il n'y a pas de souci. Hein. On a une bonne petite remorque, on a deux mêmes remorques, ça c'est bien. On a la cuve, la pailleuse. Ça c'est bien aussi pour faire l'émission. C'est une barre de combien au fait? C'est ça que je voulais voir. Barre de coupe. Ça doit être une 13 mètres. Non, 8 mètres, c'est ok. Chenioland. La barre de coupe de maïs, 6 mètres. Maïs et tournesol quoi. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour de cette petite vidéo là, ça a duré entre 10 et 15 minutes. Je pense que je peux pas vous en montrer plus parce que voilà, faut essayer ce jeu, cette map là. Elle est sortie aujourd'hui sur les modobs. Donc ça c'est bien, j'aime bien. On va regarder par contre, attends, on va retourner à la ferme et après on va regarder une vue. Une vue, comment ça s'appelle? Une mutation. Ah ouais, elle est géniale. Regardez, c'est superbe. Ah si, il y a encore un corps de ferme là. Donc c'est ce qu'on avait vu là, qu'on pouvait pas y aller, ok. Donc, il y aurait une deuxième pâture, parture, pardon. C'est bien. Non, c'est bien foutu. C'est bien, très 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 bien foutu même. Très très belle map. Hein. Quand on voit pour moi, hein, j'aime bien. Donc là, c'est l'usine à céréales. Là, il y a encore une deuxième ferme apparemment. Ah non, c'est là toute ça, pardon. Donc avec notre matériel, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer. Hein. On a tout ce qu'il faut pour commencer. Ça c'est bien, on peut ressortir d'un côté, on peut rentrer de l'autre. Ça c'est bien foutu aussi, ça j'aime bien. Donc là on peut faire notre ETA. Il y a la possibilité d'en faire un, je pense. Et un peu de section de bois à faire, je pense aussi, on peut. Et ça sera à vous de le faire. Non, j'aime bien, franchement j'aime bien, je suis. J'avais vu 2-3 clichés, hein. Franchement je vous cache pas que je suivais le modeur sur ses vidéos quand il en faisait. Une usine à biogaz. Très, très belle map quoi pour moi bon, voilà moi ça me convient j'ai pas je vous cache pas qu'il me semble qu'elle a eu des difficultés pour sortir le champ de l'usine à chaud ah, là c'est dommage ouais, il a pas fini de mettre c'est pas grave est-ce qu'on peut voir la montgolfière. Coucou. Hop, on va se remettre vers le corps de ferme. Vers la moissonneuse, tiens, et hop. Ah. Voilà les amis. Notre petite moissonneuse, je la kiffe cette moissonneuse là, franchement je la kiffe. Donc voilà les amis, c'était le coin perdu. Une map qui est sortie aujourd'hui sur les modobs. Franchement, elle vaut le coup. Elle est pas trop gourmande encore en plus. Il y a des nouveautés dessus. Il y a du blé dur. Il y a de la graine de moutarde ou de la moutarde. Je sais plus ce qu'il y a à récolter. Ça, c'est vachement bien, bien complet. Et ça donne un peu plus de.
plus de choses sur Farming 22. C'est ce qui nous manque, nous, en youtubeur, et pour avancer dans le jeu, quoi. Donc voilà. Sur ce, les amis, je tiens à remercier, pardon, aux 314 abonnés. Merci à vous, les amis. On est 314. Et ça me fait super vraiment plaisir, quoi. Et je serai en live sûrement sur cette map là ce soir pour continuer à découvrir, faire 2-3 petits trucs dessus pour voir si ça passe au niveau du live aussi, les amis. Et puis voilà, je serai en live à partir de 20h30, 21h jusqu'à 23h30, 23h15 grand max. Donc ah, il s'allume pas les lumières là par contre. Ah si. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, bon appétit, parce que vu l'heure, il est 7h20, quoi, 19h20, et puis voilà, donc elle sera sur mon site, quoi, sur mon compte YouTube à partir de 19h30, les amis. Sur ce les amis, je vous souhaite très 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 merci de très très fortement merci pour me souhaiter quoi, pour me suivre jusqu'au bout, quoi. Franchement ça me fait super bon plaisir. Et même si j'ai eu des petits différends hier, voilà, de règlement de compte sur mon live hier, voilà, quand j'ai un truc à dire, je le dis, donc voilà. Donc voilà. Donc je tiens à remercier tout le monde de me soutenir. Je remercie les modos, je remercie Monsieur Madame Fred, je remercie Cédric, Yannick, Mikado, je remercie aussi Yannick. Je remercie aussi les youtubeurs qui me suivent, donc que ça soit Monsieur Fred, Swiss Farmer, JC, comment s'appelle Jean-Edouard, et plein d'autres qui me suivent en bon youtubeur. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne, elles sont en description, j'ai des chaînes en description, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis voilà les amis, je serai en live ce soir pour un nouveau départ. Et puis voilà les amis, je vous souhaite de bonnes fins de journée et bon appétit. Allez, ciao, bye tout le monde.